Et bon matin mes petits Pikachu, ici de Miss Sadik et j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous êtes dans la forme et j'espère que vous êtes prêts pour ce nouvel épisode de Super Mario World où j'ai décidé de commencer cet épisode au niveau que nous... Ah blabla, ça commence bien l'épisode, j'arrive plus à parler. Bref, où nous avions raté la dernière fois, donc on va le retenter, si je l'ai tant mieux, si je l'ai pas, bah... Tant pis, voilà. Donc on va retenter de voler. Donc là on est bon. Là faut pas aller trop. Et là faut descendre. Non, j'ai pas descendu assez du tout. Oh mon dieu, c'était fail. J'ai même pas descendu d'une seule miette. Donc du coup on l'a pas eu. On l'a pas eu, on le retentera plus tard. C'est pas grave. Au moins on pourra dire qu'on a essayé. Donc on était rendu au château. Non c'est pas vrai, on n'était pas rendu au château du tout. Je vois que le petit niveau du haut n'est pas fait. On doit aller faire le deuxième niveau du haut. Oui, je me souviens, au dernier épisode, on était mort à la toute fin. Je crois. Ou dans le milieu. Je me souviens plus, mais on était mort. Donc du coup, on doit le refaire. Donc nous allons y aller sans plus tarder. Ensuite, nous allons entreprendre le château numéro 4. Et commencer tranquillement le niveau 5. Ça va quand même vite, les amis. Ça va quand même vite. On est assez pro, je trouve. Donc... Ah oui, je me souviens de ce niveau, là, il y a des bibites comme ça partout, là, ils sont méchantes. Bon, toi, tu viens avec moi. Et ça, c'est pour faire ça. Qu'est-ce que ça nous donne? Merde. Oh oh, je me suis fail, mais on le dira pas trop fort. Bon, vous m'énervez, là, à sauter partout comme ça, comme des débiles, là, vous m'avez volé mon plume. Vous êtes méchants. Je vais dire à vos mamans, ils vont vous mettre dans la prison. Ah! Waouh, toi aussi, t'es méchant. Waouh. J'avais oublié qu'il y avait ceux-là là, qui nous tiraient des carapaces méchantes là. Non, 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 lâchez-moi. Purée. Waouh, vous avez vu ce coup de chance là-dessus, les amis? C'était un petit peu tiré par les cheveux, la chance que j'ai eue là-dessus. Là. Oh mon dieu, je vais m'étouffer. Oh, le milieu. Pardon, niquage d'oreille en cours. Ah, il y a une plume, je la veux. Merde, ils m'ont fait mal. Attends, je suis sûre qu'on peut aller dans le tuyau qu'il y a là. On va y aller. Merde, on peut pas y aller. On va aller dans l'autre. Je savais qu'il y en avait un qui fonctionnait. Oh, une petite musique joyeuse. On va prendre ça. Du coup, ça nous permet d'avoir des pièces. Donc on peut faire ça comme ça pour toutes les avoir. Ouais, c'est un petit peu débile, perdre de temps. Mais c'est pas grave, nous on aime ça perdre notre temps. On est là pour ça. Ouais, donc c'est tout. Bon, ben, c'est amusant. À la prochaine. Ciao, ciao. On continue le niveau avec Lisa. Je sais pas comment ça s'appelle, mais ça me saoule là. Là, je dois faire gaffe. Je dois faire vraiment gaffe. Hi! Ok, coup de chance. Hip! Coup de chance encore. Ok, on fait gaffe. Ah, je suis stressée là. J'aime pas ça, ne pas avoir de protection. Oh, la fin du niveau. Oui, la fin du niveau. Ouf. On a eu chaud. On a eu très très chaud là-dessus. On a passé à deux doigts de mourir. Mangé par une bestiole bizarre qui vole là. Je sais même pas à quoi ça ressemble. Je peux même pas dire que ça ressemble à une mouche. Bref, on y va pour le château numéro 4 parce que nous on est les vrais. On est les tags. Ah, c'est le château de feu. Oui. Donc on est dans un petit couloir, comme vous pouvez voir. C'est super passionnant. Donc là on doit attendre que lui vienne. Et là on le bute. Ah, t'es mort méchant. Et là on va là et là on monte. C'est super cool ma vie. Toi tu meurs et là on... traverse les petites boules qui roulent. On essaie de pas se faire toucher. Comme ça. Voilà. Et là, on prend le champignon. C'est magique. Oh, purée, ça descend. J'avais oublié. Ah, purée. Et on prend l'interrupteur. Et là, ça le fait monter à l'inverse. Et une fois qu'il va être rendu tout en haut, il va se remettre à descendre vers nous. Vous allez voir, c'est pas stressant du tout. Un mur de pique qui nous court, qui descend vers nous. Et on va se faire avoir. Non, on est bon. Ouf, on a eu chaud. On a eu très chaud. Oh non, pas ça. Oh non, ça j'aime pas ça. J'ai l'impression de ne pas avoir le contrôle total. Là. On va aller là. Parce qu'il me semble qu'il y a un truc cool là. Qui est un champignon. Ouais. Yeah. Et là, on va continuer de monter. Donc on a au moins une petite sécurité. Ça va rassurer Demi se stresser.
Ah, ils vont de l'autre côté? Cool, on peut les buter alors. Ah! Oh merde! Je croyais pas qu'il allait tomber comme un débile. Débile. Ok, on en a tué une, on en a tué deux. La rouge, qu'est-ce qu'elle fait? On va. Ok, on y va. On la bute. On la bute. On les bute toutes. On en a rien à foutre. Bon, toi t'as survécu, t'as de la chance. Pourquoi ça veut pas sauter? En fait, ça veut sauter, mais. Ok. Waouh, waouh, waouh. On scam. Toi, tu meurs. Toi, tu meurs. Ok, on va attendre l'autre. On va la tuer. Voilà. Bon. Sauf qu'on est déjà au boss et on a rien. Donc, du coup, je sens que. Bah, on va pas survivre. C'est pas grave. Ouais, bonjour. Ah, il est là. Coucou, tu lances du feu? C'est cool ta vie. Ah, et en plus, tu deviens une petite boule qui pique. Ah, c'est vraiment nice. Et là, tu sautes bizarre. Et c'est là que je dois sauter dessus. Comme ça. Ouais, d'accord. Il est pas trop compliqué. Tu nous lances encore du feu ou ça se passe comment là? Tu fous quoi de ta vie là? On doit lui sauter dessus? Ok. Dernière fois, allez. J'ai pas peur, tu me fais pas peur. On va te battre, on va te tuer, tu vas mourir. Tu vas voir, c'est cool mourir. Wow, on scamme le temps là. Et voilà. Adieu. Il me semble qu'on n'a pas perdu notre temps pour être comme ça à la fin, stressé. Bon, quoique 88 secondes, c'est quand même encore beaucoup de temps. Mais ça donne pas beaucoup de points. Mais bon, c'est pas grave, les points, c'est pas important. Et là, on va faire exploser le truc. Boum! Oh, ils sont volés, c'est une fusée. Et là, Mario se pose des questions jusqu'à ce que la fusée aille frapper le truc. Et qu'il y a un blaster. Ou un bandage, je sais pas comment vous appelez ça, mais c'est pas grave. Tout ça pour dire qu'on a battu le château numéro 4. Donc ça fait qu'on est trop fort et qu'on peut passer au monde numéro 5, les amis. C'est trop la joie. Ouf. Et comme vous pouvez voir derrière, il y a la petite montagne avec le bandage qu'on vient de frapper. C'est trop bien fait. Continue and save, les gens, on est dans la forêt. C'est cool, il y a plein d'arbres partout. Ça c'est méchant. Quand on leur saute dessus, regardez, ils deviennent tout rouges et pas contentes. Mais quand on leur saute pas dessus, ils sont tout mignons, tout belles. Moi je leur saute dessus parce que je suis méchante. Voilà. Et que je les ai mis en rouge. Bon, ici il y a une sortie secrète. Parce que le point était rouge. Donc on va essayer de trouver ça, les amis. Mais je crois avoir ma petite idée. Parce que ma mémoire, elle va quand même pas trop mal sur ce jeu, je trouve. Je crois qu'il faut que j'apporte ça. On dira rien. On ne dira rien sur ce qui vient de se passer, s'il vous plaît. Si vous dites un truc sur ce qui vient de se passer, je nierai tout, je vous le jure. Ce n'était pas moi, c'était ma soeur jumelle, magnifique mais mauvaise à la fois. Pam, 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 pam. Wouhou, une étoile. Ouais, on est trop fort, on est des étoiles. Oh, elle est là, la partie secrète. Attends, mais comment j'y vais? Je me questionne là. Comment je vais là? Ah, attendez, je crois que je sais. Je dois t'abandonner, Yoshi. Je suis désolée, Yoshi. Oh merde. Non, c'est pas vrai, t'as pas fait ça. Débile. Mais c'était. Oh purée, les gens, je suis trop nulle. Ah, mais vous avez vu comment elle est nulle, la fille? C'est pas croyable. Bon, c'est pas grave. On se reprend, on se ressaisit. On va courir. Merde. Courir, courir, courir. Courir. Ok. Ça, on va la prendre et on va faire ça. Bon. Bah, j'ai voulu abandonner Yoshi. Yoshi s'est vengé. Faut croire qu'il voulait pas que je l'abandonne. Et voilà. Et là, on prend ça. Et là, elle passe. Oh purée, c'est dur à contrôler quand même, ce truc. Ça veut juste voler. Ok. Et là, je dois pas me faire avoir par ça, là. Ok, je vais être bon. Je vais être bonne. On prend la clé. Et voilà, on a la sortie secrète. Qui nous va mener à la maison fantôme. Waouh. Mais on va faire la vraie sortie. Allez, on est à fond, là. Faisons la vraie sortie. Donc, elle n'était pas trop dure, celle-là. Elle était assez visible, en fait. Je m'attendais à un truc méga caché qu'on n'aurait jamais pu voir de nos vies. Waouh, 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 waouh. Waouh, waouh, waouh. Waouh, 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 waouh. Ok. Est-ce qu'il peut les manger? Ah ouais, il les mange. C'est trop cool.
cool, Laura, elle mange des trucs bizarres. Bon, ça, ça me sert à rien finalement. On va laisser là. C'est pour manger les pommes. C'est cool manger les pommes. Laura, essayez de récupérer la vie, c'est toi? Ouais, trop forte. Bon, je dis ça, mais la première fois, je l'ai raté. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On est doué quand même. Wouhou! On lance du feu. Et on court. Wow, le lag. Je fais trop de trucs en même temps. Le jeu ne supporte pas. Je suis trop doué pour eux. Ah wow. On a gagné des vies, là. On est à 19. C'est pas trop mal, hein. On a assuré. On a assuré. Oh, yeah. Donc, on a la vraie sortie. Ouh, c'est trop bien. Et qui a aussi une sortie secrète. Celle-là, je suis pas certaine, par contre. Je ne me souviens plus du niveau. Ah, oh, ce niveau. Je veux pas m'en rappeler. Je crois que ça va être mieux comme ça. Oh non, pas lui. Non, moi pas aimé. Moi pas d'accord. Moi arrêtez Let's Play ici. Plus jamais jouer Mario. Non, Mario pas cool. Mario difficile. Je vais me faire avoir. Je vais me faire piquer les fesses. Non, ça va. Je vais faire piquer mon tête. Mangez des poissons. Mangez des poissons. Mangez des poissons. Mangez des poissons. On se baisse. J'aurais pas le temps de passer. Oh, j'ai eu le temps. Mangez des poissons. Mangez des poissons. Merci. Là, on doit attendre qu'il revienne. Oh, mais c'est long. Ah non, attends, je crois que je peux y aller. Non, il va me toucher. Yoshi! Yoshi, come here! Come here, little Yoshi! Purée! Oh! Mange un champignon! Ok, c'est bon. Donc, pour ceux qui ne savaient pas, Yoshi peut manger les champignons. Ça, c'est cool. C'est pratique. Ça m'a un petit peu sauvé la live, là. Tum, 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 tam. Sauf que là, c'est pas là que je dois aller du tout, moi. Je sais plus. J'ai un blanc. On va grimper le plus vite possible. Ouais, ça doit être par là. Bon, on va essayer de manger ce poisson-là. Merci. Pour prendre ça. Ouais, boule de feu. Mais là, on peut pas en lancer parce qu'on est sur Yoshi, mais c'est pas grave. Waouh. Toi, tu m'auras pas. Tu m'auras pas. Je vais te manger avant. Waouh. Non, mais merde, tu m'as eu. C'est pas grave. Je vais me venger. Hein? Je vais me venger. Vengeance! Tu ne toucheras plus jamais à Yoshi. Je sais pas pourquoi je vais par là, mais j'ai un pressentiment que c'est par là le truc. Ah, une vie! Cool! Ah merde, je peux pas la prendre. Ah! C'est de la fausse représentation! J'aurais dû attendre qu'elle tombe. Bon, ben, j'ai fait ça pour rien. On a eu une petite médaille, et là, il y a des petits lags sous l'eau. Je crois que mon émulateur ne supporte pas l'eau. Il est comme moi. Il aime pas les niveaux dans l'eau. Bon, on devait pas aller par là, donc du coup, on doit monter. Donc, montons. Waouh, trop de poissons! Tam, ta, tam, ta, tam, tam, ta, tam, ta, tam, tam. Bon, ça va encore. Petit temps d'attente, le temps que les poissons piquent parce qu'ils ont à faire. Là, je crois qu'on peut descendre. Ouais. Ouais. Ah ! Là, on doit monter. On doit faire un truc comme ça, là. Et là, on doit monter là. Oh, mais ça doit être dur quand même, pas de Yoshi. Quoique, Yoshi fait pas grand-chose, en fait. Il fait juste passer. En fait, c'est une sécurité. Il se cogne la tête. Je me cogne la tête au plafond. Oh, mais il est long ce niveau. Oh mon dieu, je suis déjà en train de manquer de temps. Tam, 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 tam. Vous voyez ça? Ça, c'est un mur magique, les amis. Mur magique, mur magique, mur magique. Avec une clé et une serrure. C'est la magie des choses, mes amis. C'est la magie des choses. Et ça nous mène à... Ouh, un truc secret. Oh, j'avais oublié que c'était là, ça. Tu, 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 tu. Donc du coup on fait quoi? Attendez, faut qu'on fasse quelque chose de logique. En fait j'en ai aucune idée. Et ça c'était pas logique. Bon, mais il fallait que je fasse le contraire. Il fallait que je fasse le contraire. Bon c'est pas grave. On n'aura rien eu, mais c'est pas avec 19 vies qu'on va se plaindre. Donc on va aller additionner les interrupteurs bleus. On en a pas encore vu, il me semble. Il me semble pas qu'on en ait vu. Bon c'est pas grave, c'est qu'un détail après tout. Donc là du coup soit on refait le niveau, soit on fait la maison fantôme. Mais je crois qu'on va aller à la maison fantôme, étant donné que le niveau il était relativement long. On le fera le prochain épisode. Donc, maison fantôme time, les amis. Et j'aurais dû me garder ce truc pour la fin d'épisode pour sauvegarder. Bon, c'est pas grave. On a une maison fantôme. J'espère qu'elle est pas trop longue. Bye, Yoshi! Waouh. D'accord. Ah oui, je m'en souviens. J'ai jamais aimé celle-là. Waouh, penche-toi. Ma manette fait des drôles de trucs, là. Depuis quelques temps, elle a beaucoup de difficultés avec le... Vous voyez la porte en haut? C'est là qu'on doit aller. Elle a beaucoup de difficultés avec les flèches, là. Je sais pas pourquoi. C'est pas grave.
On va pas pleurer pour ça. Si, non, je veux pas pleurer. Waouh. Ça, j'avais... Cette partie, je l'ai oubliée. Des poissons. C'est pas des poissons du tout, débile. C'est des fantômes. Je sais même pas faire la différence entre poisson et fantôme. Et ça se dit intelligent après, hein. Oh là là. Les jeunes de nos jours. Ah là, faut pas que je cours trop vite. Pour la simple bonne raison que j'ai pas envie de me mettre à voler, vous voyez. Ça doit pas être pratique quand même. Là, on va prendre la plume quand même. Il faut pas qu'ils me touchent. Donc, les transparents peuvent me toucher, ils m'enlèvent pas de vie. Mais les plus foncés, eux, par contre, on les oublie. Merde. Et là, on doit aller ici. Et là, on fait ça. Et là, on prend la porte qu'il y a là. Wahou! Et là, on se retrouve en haut pour aller chercher la porte qu'on a vue tout à l'heure. Waouh! Ok, toi t'as failli m'avoir, mais tu m'as pas eu, je suis plus forte que toi. Et on va là. Oup. Et je sais pas si c'est la vraie sortie ou la sortie secrète. On va le savoir bien assez vite, hein. Oh yeah! Donc, nous avons eu la vraie sortie. Ou la sortie secrète. Parce que si on avait eu... Ah mais il y a que des niveaux, quatre des niveaux cachés là. Parce que dans la maison fantôme, si on avait eu l'autre sortie, ça nous aurait ramené au niveau d'avant. Ouais, je sais, c'est un petit peu débile. Mais il va falloir la faire. Oh, une vie. Oh merde, j'aurais pas dû la prendre. Débile. Oh mais je suis... En fait, ça, ce niveau, il a été fait pour moi, en fait. Ils ont dit, tiens, on va mettre une vie parce que c'est sûr que Miss va être trop conne et elle va aller la prendre directement. Eh bien, ils ont eu raison. Miss débile, Miss débile, Miss débile. Bon, je vais te tuer, toi. Je vais prendre ton nuage. Ah, mais ce qu'il me faut son nuage pour avoir la sortie secrète. Je savais pas que Yoshi pouvait aller dans le nuage, moi. Et j'ai du mal à avancer. En fait, j'arrive à avancer, mais j'arrive pas à... comment dire, à monter. Monter et avancer en même temps, t'oublies ça, ça marche pas. Et là, de toute façon, j'ai perdu le nuage. Mais il me semble que la sortie secrète a un lien avec le nuage. En fait, ça serait logique. Ça serait même très logique. Parce que là, sincèrement, je m'en rappelle plus, les amis. Attends. Je crois qu'on peut aller là-dedans. Moi, je veux qu'on aille là-dedans. Merde. Je vais te bouffer. Je te boufferai pas. Ah, je l'ai bouffé. Et là, on doit faire ça comme ça. Est-ce qu'on peut y aller? Oui, on peut y aller. Ah! Vous voyez, je me souvenais qu'on pouvait aller dans le tuyau, mais je me souvenais pas que la sortie secrète était là, par contre. Ça, c'était vraiment un pur hasard, je vous jure. J'ai pas triché. J'ai pas triché, moi, pas une tricheuse. Du coup, on va le refaire avec la vraie sortie, parce que c'est cool, voilà. Et là, on prendra pas la vie. On se fera pas avoir deux fois, on va voler avec Yoshi. Waouh, on vole. C'est trop cool. Eh, il va vite, lui. Oh, purée, il va me rattraper, Zach. Allez, prends la vie. Prends la vie que je te tue, mon petit Yoshi, là. C'est ça qu'elle se dit. Elle veut me tuer. Elle veut ma peau. Non, je veux pas ta vie. Non, je veux pas jouer à Candy Crush. Laisse-moi tranquille. Je veux pas ta vie. Non. 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 Elle est partie. Elle a compris. Elle a enfin compris qu'on voulait pas d'elle. Méchante. Donc oui, je l'appelle elle. Il y en a qui vont peut-être se demander pourquoi, mais avec ma grand-mère, quand j'étais plus jeune, ce personnage, on l'appelait toujours la grosse vache. Voilà. Donc pour moi, c'est resté une fille. Donc ça sera toujours une elle. Une méchante fille en plus. Waouh, waouh, non, mon Yoshi! Tu n'avais pas le droit de faire ça, Laura. Non! Non! Purée. Ah, fallait pas que je me suicide pour Laura, elle va être déçue. Elle va être très déçue que je me sois suicidée. Elle ne voudra plus me parler. Bon, en même temps, je suis morte. Ça va être un peu dur de me parler. Tam 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 tam. Bon, alors on va essayer de pas mourir pour bien finir l'épisode. Ce serait cool. Toi, laisse-moi tranquille. T'es méchant. Je sais pas pourquoi je traîne ça avec moi, mais je traîne ça avec moi. Ah, purée de pommes de terre à la framboise. Je l'ai. Bon, allez, on reprend. Ouh là, j'étais sûre que je mourrais là-dessus. Bon, toi, je te veux pas avec moi. Quoique... Ah oui, attendez. Je sais à quoi ça va nous servir. Bon, je sais, ça fait un petit peu bipolaire, mon truc. Mais c'est pas grave. On aime ça. Ah, mais t'es con. Wow, arrête de m'attaquer. J'essaie de me concentrer. Bon, allez, on y va. Et là, on le fait pour vrai. Là, on va l'avoir. On attend, tranquillou. On va l'activer maintenant. Voilà. Et normalement, il nous lance des pièces. Ah, mais non.
Ah non, c'est le... Ah non, c'est pas lui qui fait ça, c'est l'autre. Ah ! Mais il me saoule ! Mais c'est un truc de ouf ! Il me saoule. Mais vraiment. Mais vraiment, genre, beaucoup, là. Bon, on va courir, les amis. On va laisser faire la vie. Toi, tu dégages. Tu me sers complètement rien, t'es débile. On va le faire en courant. Toi, tu m'énerves. On va prendre ça. Je sais pas ce que ça va faire, mais on s'en fout, on le fait en courant. Dégage. Je t'aime pas, je te déteste. Je te déteste, tu pues. Tu pues caca. Toi, tu m'énerves. Voilà. Voilà. C'est ça qu'il faut faire dans Mario, les gens. Il faut courir. Et c'est sur cette course exceptionnelle, les amis, que nous allons nous laisser pour cet épisode. Ah non, c'était une blague, on a un bonus game qui va servir complètement à rien comme l'épisode est terminé, mais c'est pas grave. Et comme d'habitude, on s'est foiré, mais c'est pas grave non plus, parce que la vie, c'est cool. Voilà, donc sur ce, les amis... Oh, qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Mon petit Mika, il pleurniche. Bref, sur ce les amis, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un bébé pouce bleu et un bébé commentaire comme à votre habitude. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne afin de sauver des petits Pikachu et des Laura égarés. Et aussi pour acheter des jouets à Mika pour qu'il arrête de pleurnicher. Et sur ce, je vous fais des bisous bisous!